Alors cette caisse claire est une recréation de la caisse claire Tama Bell Brass des années 80. C'est vraiment une recréation à l'identique pour les 50 ans de cette caisse claire mythique. Et j'ai eu l'honneur de l'essayer, elle est juste incroyable. Ce que j'aime particulièrement avec cette caisse claire, c'est sa puissance. Elle a un poids, elle est très très lourde et en général c'est des caisses claires solides, c'est en général un bon signe et c'est pour ça que j'aime particulièrement cette caisse claire. C'est pour mon jeu qui est tout en puissance, je trouve qu'elle tient bien le choc. En même temps, elle a cette attaque, ce corps que je trouve vraiment incroyable. Il y a plusieurs options aussi sur la caisse claire, ici on voit qu'il y a un tampon. Intérieur, ce qui nous permet de toucher à la peau et du coup de toucher la peau de l'intérieur et de fixer les harmonies. Par exemple, on trouve qu'elle résonne un petit peu trop, on peut actionner ce tampon et à l'intérieur, ça va toucher la peau, ce qui va rendre la frappe plus mate. Elle est aussi esthétiquement magnifique. Et voilà, c'est une caisse claire qui est taillée autant pour le métal que je dirais pour le funk et qui s'adapte à, qui est assez polyvalente. Je pense qu'on peut faire plusieurs styles de musique avec.
Moi, je suis batteur de métal, donc je ne parlerai pas forcément pour les autres styles, mais en tout cas, elle me convient parfaitement. C'est vraiment un bel objet, une super caisse claire et je la recommande.